Bienvenue dans ce nouveau marché parlé. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée en MP. Alors c'est une personne qui en fait envisage de se professionnaliser et justement, elle chercherait à acheter un boîtier destiné à un usage professionnel. Et elle me dit que finalement, si elle observe un petit peu les différentes propositions des marques existantes, eh bien chacune a au moins un boîtier destiné aux professionnels, selon leur dire. Et elle a du mal un petit peu à avoir le dénominateur commun. C'est-à-dire que les différentes marques proposent des boîtiers qui sont différents parce que certains sont mirrorless, d'autres sont réflexes, d'autres sont visés réflexes, pardon. D'autres ont des capteurs 4 tiers, d'autres ont des capteurs 24-36, d'autres ont des capteurs APS-C, d'autres ont des capteurs moyen format, etc. Alors c'est un questionnement intéressant parce qu'au travers ça, que tu sois pro ou non, ça permet de réfléchir à différentes notions liées à notre pratique. Et donc c'est pour ça que je cherche à y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr, l'exigence d'un professionnel, c'est de produire de l'image. Et donc, dans ce schéma, évidemment, son appareil photo se situe au centre de cette pratique. C'est-à-dire que son appareil photo, c'est l'outil principal finalement qui lui permet de créer la matière première avec lequel il va créer de la valeur. Par exemple, au travers du post-traitement, du post-traitement, pardon, pour enrichir l'image. Mais fondamentalement, l'appareil photo est au centre de sa pratique. D'ailleurs, c'est autour de ce boîtier qu'il va créer son écosystème. J'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, parce qu'on est un petit peu dépendant de la monture à un moment donné. Et voilà. Alors, justement, puisque c'est l'appareil photo avec lequel il doit produire, il doit être aussi en mesure de produire tous les jours de l'année, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il gèle, qu'on soit en pleine canicule, on doit être en mesure de produire sans interruption. Alors justement, l'une des premières caractéristiques d'un appareil professionnel, c'est justement d'avoir une qualité de construction qui permette ça, c'est-à-dire une construction tropicalisée, l'emploi de certains matériaux, et bien justement qui permettent cette fiabilité dans le temps, c'est-à-dire que l'appareil, je sais pas, enfin, ne bouge pas, voire même puisse résister un petit peu à des petits chocs, à des petites chutes, etc. Hein. Mais que dans ce cas-là, il puisse encore produire. Bon, tu trouveras justement sur YouTube pas mal de tests comme ça. Moi, je me souviens, il y a une paire d'années, j'avais vu une petite vidéo sur un crash test. Justement, c'était un boîtier Nikon D3, je crois, à l'époque, ou D4. Et en fin de compte, la personne, elle faisait subir à ce boîtier tout un tas de mésaventures qui étaient assez impressionnantes. Elle foutait le feu au boîtier, enfin, elle le congelait dans la glace, elle le dégelait, enfin, c'était incroyable. Et le boîtier continuait à déclencher. Alors après, bon, la qualité des photos, à un moment donné, une fois que tu as foutu le feu au boîtier, bon, ça reste moyen, mais enfin, pour te dire un peu ce à quoi peuvent résister des boîtiers vraiment pro. Donc déjà, premier argument, la qualité de fabrication. Parce que justement, ça te permet de, dans le temps, hein, de continuer de produire. Alors certaines marques ont développé une culture assez prononcée là-dessus. Voilà, c'est un gage de fiabilité. Par exemple, Pentax, c'est pas pour faire de la pub pour Pentax, mais enfin, Pentax a pris l'habitude, même pour ses boîtiers entrée de gamme, finalement, de les tropicaliser. Et effectivement, moi j'ai un boîtier qui a plus de 10 ans, qui est toujours opérationnel. Je pense au Pentax K10, que j'ai acheté à mon retour de Djibouti, donc c'est en 2007, et qui est toujours opérationnel. Donc voilà un argument, la qualité de construction. Deuxième point, et pour moi c'est le plus essentiel, c'est que quand bien même le matériel est bien construit, eh bien des petites pannes, ça peut arriver. Et évidemment, ça arrive toujours au moment où il ne faut pas. Alors justement, c'est ça en fin de compte qui va permettre réellement de distinguer une marque qui propose véritablement du matériel professionnel. C'est-à-dire que la vente de boîtiers avec des caractéristiques purement techniques professionnelles s'accompagne d'un service après-vente. Et par exemple, Canon et Nikon, c'est clairement les références dans ce domaine. Attends, j'ai une alerte batterie là. Mode économie d'énergie, j'espère que ça va filmer jusqu'à la fin de la vidéo. Ou alors donc Canon et Nikon, clairement c'est des références parce que eh bien ils proposent des services après-vente adaptés aux professionnels. C'est-à-dire que un professionnel équipé de matériel professionnel de marque Canon et ou Nikon, eh bien il peut très facilement, à l'intendant que son matériel qui est tombé en panne soit réparé, que ce soit optique ou boîtier, hein, eh bien il peut obtenir le prêt d'un matériel équivalent de remplacement pour continuer à produire. Par exemple,
Tu trouveras facilement sur Internet des reportages, et bien justement, qui font état du service après-vente que met en œuvre Canon et Nikon lors, par exemple, de Roland-Garros, hein. C'est-à-dire que Canon et Nikon mettent en place des stands finalement, avec toute une série de boîtiers de remplacement, toute une série d'optiques de remplacement, pour que un photographe qui rencontrerait un problème quelconque avec son matériel, eh bien en gros, qu'il puisse tout de suite en courant, hein, aller à la boutique, enfin au stand de Canon par exemple, et retirer le matériel dont il a besoin pour tout de suite se remettre à produire, hein, pour pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne de production. Bon, ça c'est très important parce que ça peut lui faire louper une prestation, hein, puis ça peut être très dommageable. Alors évidemment, pour les marques qui proposent pas ce genre de service, par exemple Pentax, qui pour moi fabrique de l'excellent matériel, je pense au Pentax K1 et au 645Z, qui est un boîtier moyen format. Pentax pour moi n'est pas une marque de professionnels dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils nous mettent, même s'ils vendent de l'excellent matos, comme ils ne proposent pas des services équivalents, eh bien pour moi c'est pas une marque professionnelle. Ceci étant, à partir du moment où tu sais ça, ça veut dire que finalement, n'importe quelle marque avec un boîtier moyen de gamme te permet bien sûr de produire de l'image. Tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu te professionnalises que tu dois automatiquement casser ta tirelire pour acheter un boîtier très haut de gamme. Par exemple, si tu es chez Pentax, ça veut tout simplement dire que tu dois toi trouver une solution, créer une solution pour être en mesure de produire de l'image, quelles que soient les circonstances. Et la solution, de toute façon, elle n'est pas compliquée, et bien ça veut dire qu'il faut que tu aies du matériel en doublon. Alors moi, par exemple, après l'achat de mon K1, mon Pentax K1, j'ai pas revendu mon précédent boîtier, que je me servais depuis plusieurs années également, le Pentax K5-2S pour être précis, qui est un boîtier avec un capteur APS-C, mais qui est parfaitement opérationnel. Je ne l'ai pas revendu, tout simplement parce que déjà j'en aurais pas tiré grand-chose. Et puis surtout, ça me faisait perdre cet avantage d'avoir un boîtier performant, relativement récent, qui me permet d'avoir un boîtier de secours au cas où. Pareil pour les optiques. Avec mon Pentax K1, j'ai acheté un 24-70 de 8 constant, tropicalisé lui aussi. J'ai pas revendu mon ancien 28-70 de 8 de chez Sigma pour cette raison-là aussi. Parce que je me dis que si j'ai un problème avec mon 24-70, j'ai mon 28-70 de 8 constant en secours. Et ça me permet d'avoir une assurance. Je me crée ma propre assurance, voilà, c'est le terme approprié, pour continuer à produire, tu vois. Donc voilà, ça c'est des. Tu vois, de ce questionnement sur ce qu'est une marque pro, tu vois, découle tout un tas d'applications, hein, liées à ta pratique. Alors voilà, les conclusions, c'est ça, c'est que finalement, il y a, enfin, n'importe quel boîtier peut convenir à un pro, parce qu'en général, les fonctions, j'en ai déjà parlé là aussi dans une vidéo, les fonctions essentielles sont présentes en général, hein, c'est-à-dire tu peux régler le temps de pose, la valeur ISO, l'ouverture, tu peux verrouiller l'autofocus, tu peux verrouiller la mesure. Bon, alors après, ce qui va être important pour toi, c'est de te créer des solutions alternatives en cas de problème pour continuer à produire. Et voilà, est-ce que c'est plus intelligent pour un photographe qui débute une carrière professionnelle d'avoir deux boîtiers moyen de gamme plutôt qu'un seul, acheter beaucoup plus cher même par rapport à la somme d'achat des deux boîtiers, ou enfin voilà, tu vois, ça c'est un questionnement intéressant. Moi j'aurais plutôt tendance à te conseiller de t'acheter deux boîtiers moyenne gamme par exemple, et surtout aussi de lorgner vers le marché de l'occasion. Voilà, écoute, cette petite courte vidéo, je vais terminer assez rapidement parce que j'ai peur que la batterie coupe la vidéo. Écoute, comme d'hab, n'hésite pas à me donner ton point de vue, même si on n'est pas d'accord, ça pourra que enrichir le débat, que apporter des arguments supplémentaires pour les gens qui nous suivent, eh bien ça leur offrira des pistes supplémentaires de réflexion. Et puis écoute, nous comme d'hab, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.